Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement avec ce qu'il y a derrière moi, vous reconnaissez à quel endroit je suis exactement. Je suis voilà, sur la digue de Monaco. Et vous savez pourquoi j'y suis si vous suivez mes stories Insta. C'est la troisième édition du Rasso. Voilà, j'ai vu que ce type de vidéo là vous plaît. Et je compte pas arrêter parce que moi c'est vraiment un pur délire de faire ça à chaque fois. Enfin, je le fais pas tout le temps non plus, mais tu vois, mais j'essaye de le faire environ tous les 3-4 mois, on va dire. Et là par contre, un peu plus de voitures que la dernière fois, pareil, un temps magnifique, donc ça va être, je pense que ça va être top. Donc voilà, je mettrai tous les Insta dans la description et à l'écran quand je filmerai la voiture en question, tu vois. Donc voilà, allez les suivre, merci à eux d'être venus pour cette vidéo, ça va être fou. Voilà, sur ce, je vais vous montrer un peu les voitures qu'il y a en ce moment et on commence tout de suite, mettez un like si ça vous plaît. On commence tranquillement avec cette Ford Fiesta ST de 200 chevaux qui est vraiment très très stylée dans la couleur et tout. La config est très stylée, j'aime beaucoup. Ici on a une très belle 6R rouge, magnifique, jante noire. Ici une petite Opel GTC, un peu préparée aussi. Ici une M140i BMW avec le full pack M Performance, il n'y a que 115 exemplaires dans le monde je crois, ou 155, je ne sais plus. Ici, on a une Skoda Octavia VRS Stage 2. Je ne sais plus combien elle développe de chevaux. Ici, vous la reconnaissez, hein, la Abarth 124 Spider. Oh là là là, ça, c'est magnifique ce bruit. Ça accélère. La petite 1M. 1M, ça c'est incroyable, les gars, 1M. Elle est magnifique. Voilà, attendez, il est chaud patate. Avec la Dumval, c'est incroyable ce bruit que ça fait. Et la 1M, la grosse dinguerie, pour l'instant du Rasso. Elle est vraiment incroyable cette voiture. Orange, tout le kit carbone. Elle est vraiment dingue. Et là, on a la jeune Clio Miteuse. Avec mon cher collègue Cars Monaco. La meilleure, la One of One en X999, c'est aberrant, ton jeune véhicule, il est aberrant frérot. Oui. On a la M5 les gars, qui arrive, V10. Le V10, voilà, là les gars, on n'attend plus de voiture normalement. Donc on a ça qui est arrivé, la Golf 7R noire, très jolie, 300 chevaux. On a cette petite Abarth aussi, blanche, 240 chevaux quand même ce truc, hein. C'est quand même pas mal du tout. Là la sale Skoda, c'est quand même pas mal, hein. Départ du Rasso. Avec tous les collègues, là ça va être aberrant. La Abarth qui est là, 240 chevaux avec 15 Monaco dedans. What the fuck le bruit. Une jeune Opel. La Golf. Et là, la plus aberrante, la Abarth 124 Spider. La petite BM M140i. La Abarth qui... Très jolie ça. Et là, pour finir les gars, la petite 1M. Et on va faire un tour directement dedans, on va monter. Ça va être aberrant les gars. Ah ouais. Voilà les gars, on part direction la tête de chien.
gars. Du coup, on va, avant de partir à la tête de chien, c'est pas la Turbie cette fois-ci. Enfin, on va passer par la Turbie, mais on va s'arrêter à la tête de chien. On s'est posé dans un parking et on va prendre quelques petites photos aussi là-dedans qui sont très sympathiques parce qu'on a rangé les voitures un peu dans l'ordre des marques. Là, on a le groupe Abarth avec les deux Abarth 500 et la 124 Spider. Ici, on a le groupe Volkswagen avec la Skoda et les deux Golf, la Golf 6R et la 7R. Juste là, on a le groupe BM avec la 1M du coup et la M140i qui est magnifique. On a le jeune Thomas Cars Monaco qui fait des stories, petits TikTok et tout. Et ici, on a le groupe de chez Opel avec la Ford du coup qui est seule. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à ce qu'il y a sur YouTube et activer la cloche, les gars. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Très important. Et mettez, allez donner là ce fort. Très important, merci frérot. La jeune pub. C'est la petite pub, c'est la petite pub. Voilà, ça va être très sympa, on va prendre quelques petites photos. Et après, on part direction la tête de chien dans ce monstre. J'espère que la vidéo vous plaît. Bon voilà les gars, on sort du parking, on va direction la Turbie. Regardez derrière. On a la Golf. Et voilà, direction la Turbie. La 124 Spider devant. Ok. La 124 Spider, c'est un délire. Ouh la Golf. Le bordel qu'elle fait la Golf, les gars, c'est un délire aussi. Regardez dans le rétro là. L'intérieur tout en Alcantara ici, ça a été fait sur mesure du coup comme tu m'as dit, ouais. Parce que de base c'est en plastique. Plastique, c'est comme là, ouais. Et c'est super beau, super joli avec les surpiqûres en orange qui rappellent la couleur extérieure de la voiture, c'est vraiment magnifique. Et du coup 415 chevaux, voilà, c'est quelque chose quand même. T'es là-bas les gars, non, mais c'est un délire. Incroyable le Rasso, oh, la Fefe, la 812 là-bas, et le G, magnifique aussi ça. La Skoda ici. Avec la BM. Ah, c'est ouf. Voilà les gars, avec la BM, on est dans le coffre de la BM, là c'est mytho. On est en train de prendre des photos et du coup vous filmez. C'est assez stylé le point de vue là, c'est assez original. Ça n'a aucun sens. Arrive au parking du coup, toujours la 1M derrière. Voilà les gars, on conduit la jeune Abarth de King. Je mettrai ton Insta sur l'écran là. Bon, quelle gentillesse. Là, tu m'as fait de la pub pour normal, c'est normal. Donc voilà, je me dois te faire avec plaisir. Tu me laisses conduire ta voiture aussi, t'as avec plaisir quand même. Tranquille, c'est vraiment pas mal.
petit karting. Je pense que le mieux c'est que tu redescendes à gauche. Hein. Ah ouais? Vas-y, on va descendre. Ouais, ou tu remontes à droite, mais il y a le camping-car, tu vois donc. Ouais, à gauche c'est mieux. Hein. Vas-y, vas-y. Il y a personne, mon gars. Par contre, fais gaffe, ça braque pas. Ah ouais, ça braque. T'as vu? Ouais, ouais, c'est vrai. Ça va surfer. Bordel que ça fait c'est pour un si petit truc, si petite voiture. Enfin, courage à lui, il s'est pété la gueule en moto. Ah merde. Ben, ça envoie. Putain. Combien tu roules déjà? 200. Elle fait 200, ouais. 200, ouais. Ça marche de ouf. Ah oui. Ah c'est agréable en plus avec la direction et tout. C'est... Ouais, c'est un karting. Ouais. À l'épingle, je mettrai les palettes, là je suis en automatique, ouais. Les gars. À l'épingle, je mettrai des palettes, tu sais, à la sortie pour voir comment ça fait. Waouh! Ah, il s'est chié dessus! Ouais, j'avoue, elle est partie un peu en travers là, non? Ah, ouais. Non, c'est, quand je c'est un peu joueur quand même. Ouais, c'est non, c'est rigolo, c'est rigolo. Mais je confirme. Hein. Regardez, ah ouais, je voulais pas... regardez les gens, comment c'est beau ici. C'est magnifique. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît, les gars. N'oubliez pas hein, le petit like du coup, si c'est le cas. C'est vraiment un délire, c'est un truc de fou. Maintenant que j'ai le permis, on teste les voitures. Hein. La dernière fois c'était la De Vinci, bon là c'est un peu mieux parce que c'est quand même thermique, il y a le bruit avec, donc c'est quand même mieux. Le volant aussi j'adore. Comme il est, comment dire, comme il est designé et tout. Ouais franchement c'est beau. Il est petit. Hein. Franchement c'est beau. Très classe. Sympathique. Voiture. J'appuie juste là. Ouais, et là ça va mettre, ça va enlever auto. Voilà, là ton palette. Ok, d'accord. Et là tu peux. Ah oui, d'accord, en effet. Quel beau cadre. Magnifique, magnifique avec la mer et tout. C'est vrai que c'est beau. Ah, oh, c'est trop bien. Les palettes, c'est vraiment trop bien. Non, elle est incroyable. Ah, oh, c'est vraiment incroyable, ouais, ouais. Comme ça qu'il fait autant de bruit. Quelle dégale. Et quand tu lâches, ça fait une espèce de retour. C'est ça, ça. Après pour... En bas à gauche là, à gauche. Après je vais te montrer le bouton magique. Le bouton magique. Ouais tu vas voir. Tu vas être choqué. Ça? Tu vas voir après. Après un montant. Tu vas être choqué de ce que tu vas avoir sous le pied. Ah ouais? Ouais là tu peux rentrer à gauche et faire demi-tour là en vrai. Juste après le. Ouais. Fais demi-tour ici. Là? Là-bas là. Ah. Là, ouais. Milieu, non, non, non. Ouais. Ici, là. Ouais. Tu fais une petite marche arrière, on s'arrache. Hein. Au point, non, même il y a le stop là en vrai. Hein. En vrai, ouais. En vrai, c'est bon, ça braque. Ça passe, ouais, c'est bon, ça passe. Petit stop.
Regarde bien la différence là. T'as vu où là? Là? Sur le sport, regarde, regarde bien. T'es prêt? Tu sens ou pas? Il a changé, non? T'as vu? Ouais, par contre. T'as vu? Voilà la direction. Attends, vas-y, appuie là. Attends. Mais what? Attends, mais c'est énervé de ouf là. T'as vu? C'est plus la même voiture. Mais clairement, là, déjà la direction elle est devenue plus dure. Ouais, ouais, t'as vu? Mais y'a tout qui change, les suspensions aussi, non? Ouais, ouais, y'a tout qui est dur. Le bruit aussi, j'ai l'impression que ça change un peu, non? Passe la palette avant 4000, vas-y. Voilà, je te montrerai après comment on fait. Vas-y, on voit, hein. C'est différent. Ouais, c'est transformé. Ouais. Et là, tu m'as dit avant 4000. Vas-y, tire, 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 tire. Vas-y, là, tu pètes. Ah oui, fait, oui. Tu vois, c'est pour ça. Tu sautes à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit ah ça y est. Ouais tu savais que ça allait arriver. Ouais je m'en doutais. Après j'ai tout de suite contrebraqué là, j'ai dit voilà. Quand j'ai récupéré la voiture en Allemagne, c'est le premier truc que j'ai essayé le freinage et j'ai fait ah, ah oui effectivement en fait c'est quand même dangereux. C'est une autre voiture ouais, c'est vraiment. Et ça coûte cher quand même, non? Ça coûte. Ouais ça coûte cher. Toi tu m'avais dit bah moi ça. Moi ça va quoi, tu vois, je veux dire, c'est un import allemand donc je l'ai payé 13 000 euros. Mais ouais. Il faut savoir que ça, sur le marché français en occasion, avec à peu près 40 000 km, il faut compter entre 26 et 30 000 en fonction des versions, des options. Ouais, il y a ouais. Des packs carbone, enfin il y a le CarPlay, enfin il y a plein de trucs quoi qui coûtent assez cher quoi. Et sinon, neuf, il faut compter presque 40 000 euros avec le. Je parle pour quelqu'un qui est français, hein, avec la carte grise et ouais. Le malus et tout le bordel, quoi. C'est un délire comment ça marche. Ouais, c'est avec plaisir. Hein. Putain. Ouais, merci. Ouais, je t'en prie. Hein. Toi, tu as la caméra, nous on a les voitures, hein, écoute. Hein. Ouais, voilà. On est là. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit like les gars et à vous abonner à sa chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur voilà. TikTok aussi, sur tous les réseaux. Il a raison, hein. C'est pas moi qui le dit. Hein. Le frérot il vient de Nîmes quand même les gars, il s'est installé dans le coin ici pour vivre sa passion et ça fait plaisir donner de la force quoi. Ah putain, oui d'accord, mais maintenant il y a les pompiers. Ah oui, effectivement, bon, on va pas filmer parce que. Ouais. J'espère qu'on entendra bien avec ton petit téléphone, non? Il a dû se faire méga le mal hein, le mec parce qu'en vrai il était couché sur l'escalier à droite non ah ouais. Comme à mon avis il a dû s'éclater sa mère. Ah il est même plus là. Ah ouais bon écoute. Le bruit. What the fuck ça résonne, c'est ouf. Donc là on va remonter rejoindre ouais. Les autres hein. Regarde Dodan comme il est dur. Ah ouais. T'as vu? Putain, comparé à tout à l'heure. Tout à l'heure je me souviens. Ouais, ouais. C'est un peu mou quoi. Mais ça reste dur par rapport à une voiture normale. Et là on peut faire des. En N des raves ou quoi? Non. Non, pas N c'est neutre. Oui c'est neutre. Ouais ouais. Non t'es là de bois, tu peux la laisser comme ça. Ah d'accord. Ouais y'a pas de soucis. Prends la très large, prends assez large parce que sinon ça braquera pas. Voilà. Sinon
C'est chier dessus. Ouais. Ah là, ça a pété un peu. Ouais, t'as passé trop vite la troisième. Trop vite. Ah ouais, tu sens tout. T'as vu? Là, en plus, la route est un peu. C'est le buzz un peu partout là. Ouais. Là, tu le sens quand t'es en mode sport. Ouais. Aberrant, en mode 4x4, frérot. Ben merci. Mais je t'en prie, frère, pas de soucis. Voilà les gars, ils sont tous garés, on a pris un peu de hauteur hein, comme vous avez pu le voir. C'est magnifique dans le virage, avec la vue sur toutes les montagnes derrière. Ah ouais, toi t'es mytho hein. Merde. Ah ouais, j'avoue la transition. Regarde-moi le. Comme il est. Putain mais. Mais quand je passe en appareil photo, je lui fais une bête de folie. Ouais, tiens. Ah les mythes. Ah les gars, ça c'est improbable ça. Hein. On va refaire des petits shootings ouais, avec le jeune frérot. Quand on a fini, on fait le jeune pouce. Quand on a fini, ouais exactement. On fait le jeune pouce. Lui il va faire les photos, s'occupera des photos. Vous irez voir ça sur son Insta, je le mets actuellement sur l'écran. Et moi je m'occupe du coup pour la vidéo YouTube et quelques TikTok aussi pourquoi pas. Et puis voilà, hein, merci à ce jeune proprio. Il va nous manger les pieds. Il va nous manger les pieds. Aberrant. C'est incroyable. On redescend de la turbie et tout. J'espère. Ah, c'est magnifique les gars. Regardez-moi ça, le convoi là, la Skoda, la Abarth. Fais des belles photos mon ref. J'en ai fait de la M, de la 1M tout à l'heure quand j'étais dans le coffre, elle est là-bas au fond d'ailleurs. Elle a un petit problème technique du coup, elle pourra pas rouler très très vite, elle pourra pas trop nous doubler parce que tout à l'heure ils vont nous doubler. Aberrant. Bizarre de se voir face à face, ça fait vraiment chelou. Hein. Ouais, ouais, il y a le soleil, c'est vrai que c'est stylé de ouf. T'es mal. Oh, il est mytho. Prends-le en photo derrière. Aberrant. Hop là, ça chauffe les pneus. Aberrant frérot. Aberrant. Ah je te jure. Et là un M pour finir les gars, comme tout à l'heure, comme au début. Oh là là, quelle voiture là, un M quand même. Je la trouve vraiment magnifique cette voiture. C'est un délire. Là les gars en fait il y a le proprio de la BM dans laquelle on était assis juste avant pour faire le rolling shot qui veut faire son rolling shot à lui du coup on s'est mis dans le coffre de la 1M. C'est aberrant. C'est c'est n'importe c'est quoi fou. Là on est dans un coffre de 1M, voilà je vous mens pas hein. Justement je vais vous montrer les pots les gars vous. Voilà. Oh putain ça roule en plus. Pas c'est voilà. Et là on était juste là-dedans dans cette voiture là les gars. C'est n'importe quoi. Voilà les gars, pareil que tout à l'heure hein, du coup, il fait les photos et moi je m'occupe de YouTube de vous pour vous divertir les gars. Par contre c'est un peu moins confort que dans la série 1 juste devant hein, du coup. Par contre c'est mytho de faire ça hein, t'as les retours. Il y a des retours qui se font là. Hein. Ah ouais.